Astuce pour éliminer définitivement le mari de nuit dans votre vie. Si c'est les femmes qui ont les problèmes la nuit avant de dormir, prenez le coton et mettez dans votre Jessica. Vous portez votre caleçon à l'envers, vous dormez. Comme ce sont des garçons, ce que tu vas faire, comme tu es un garçon, le soir avant de dormir, tu vas prendre une gousse d'ail. Tu prends une gousse d'ail. Tu vas écraser cela. Tu mets dans ton eau. Tu rinces ton corps avant d'aller te coucher. Et tu prends un autre morceau de l'ail. Tu vas brûler dans ta maison. Tu brûles ça sur le feu avant d'aller te coucher. Maintenant, si tu rêves la nuit, le jour où tu vas rêver que tu as mougou, lève-toi, prends un morceau de citron. Tu cherches 9 aiguilles pour les garçons. Et cette aiguille pour les femmes, tu vas percer, piquer tout le citron là avec. Pendant que tu piques, tu fais ton astuce de séparation avec ce femme ou ce mari de nuit qui vient te déranger. Tu vas voir par la grâce de Dieu, ça va s'arrêter. Lave-toi avec l'ail. L'ail, ça ne ment pas. Tu prends l'ail encore. Tu vas écraser. Tu embarques dans un plastique. Tu mets sur toi. Tu dors avec. Là où tu mets la tête là, tu emballes. Tu mets en bas ton tête d'oreiller. Tu dors là-bas. Tu prends les morceaux de l'ail, tu mets dans ton oreiller. Les sorciers n'aiment pas l'ail. Tu comprends? Fais cette astuce. J'attends ton témoignage. Cette astuce, c'est très très efficace. Donc à toi de choisir ce qui va te convenir. Tu comprends? Fais cette astuce, même rien que l'ail là. Tu te laves avec l'ail avant de dormir. Tu vas venir témoigner. Et avant de dormir, il faut aussi prier. C'est important. Hein?